avant de passer à ce moment, j'aimerais que Rebecca vienne lire la vision de la TPS. Amen. On acclame pour le Seigneur. La sœur Rebecca, ma fille Rebecca. Alléluia. Diligente, elle est toujours là. C'est elle qui vous donne les méditations matinales. Voilà. Elle lit la vision de la tour de prière se meurt, ensuite je vais continuer. La tour de prière se meurt est un ministère interdénominationnel basé sur la prière, l'enseignement et la communion fraternelle. Créé par la prophétesse Frida Deborah, qui en a reçu la vision et la cartographie spirituelle. La tour de prière se meurt est dirigée par la prophétesse Frida Deborah et le pasteur Bienvenu Manzioni. Le ministère TPS est basé sur deux onctions, l'onction prophétique et apostolique, afin de ramener les cœurs à la restauration divine, la passion et l'amour véritable de Dieu, à susciter des vrais adorateurs, un peuple qui manifeste la gloire de Dieu dans tous les domaines. Oui, la tour de prière est une tour afin que nous puissions veiller et prier de jour comme de nuit, selon ce qui est écrit dans Habacuc 2, 1. Je lis la parole. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Semeur afin de planter Christ dans notre environnement, afin que chaque personne soit un semeur de Christ dans le but de l'évangélisation et du gagnement des âmes. La chaîne YouTube Tour de prière Semeur TV compte à ce jour, par la grâce de Dieu, plus de 71 800 abonnés. Des milliers de personnes sont restaurées de par le monde, en Europe, en Asie, en Amérique et dans les Caraïbes, au travers de la tour de prière Semeur. Cette année 2019 a été marquée par les différentes activités de prière que nous avons eues sur la tour de prière. Plus de 400 sessions de prière cette année 2019, 40 jours de jeûne et prière sur le thème « Combat pour ma destinée » avec 158 sessions de prière. 7 jours de jeûne et prière sur le thème « Arrêter la main du voleur » avec 30 sessions de prière. 20 jours de jeûne et prière sur le thème « L'onction de l'accélération divine » avec 73 sessions de prière. Cette année, le 2 juin 2019, la tour de prière Semeur est devenue une église par la grâce de Dieu. Amen. Et 8 personnes sont passées dans les eaux du baptême. Amen. Nous allons parler des perspectives de 2020. Alors, quelles sont-elles? La réalisation de la maison de prière, l'achat de la salle de prière afin de... L'achat de la salle de prière afin de tenir nos différentes activités. Par la grâce de Dieu, cette année 2020, nous aurons 2 rassemblements TPS. Une grande conférence de transformation tenue sur 3 jours. 3 séminaires dont 1 séminaire des femmes. Alors que Dieu vous bénisse et bénisse la tour de prière Semeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons baptisé 8 personnes. J'aimerais vous donner vos certificats de baptême aujourd'hui. Alléluia. On acclame pour eux, parce qu'ils ne savaient pas. Et ils ont suivi une formation que j'appelle la formation 101, qui est la base, parce que ces personnes qui ont été baptisées ne connaissaient pas le Seigneur. Alléluia. Beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur, ont connu le Seigneur par la TPS. Assurément, par internet, on peut toucher du monde. Alléluia. Et vous en êtes en fait la preuve. Amen. Donc je vais appeler ici avec le, prenez aussi le,
Je vous ai fait vos... les fascicules. Parce que je donne les cours au téléphone, ils disent, mais maman, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir vos fascicules. Amen. Ah, on acclame pour eux. Voilà. Vous avez les cours que nous avons eus, la formation 101. Et après, nous allons continuer sur la formation 102 et ça s'arrêtera à la formation 302. Amen. Donc j'appelle ici Angélique, ma voix, on acclame pour elle. Elle a été baptisée. Sois bénie. Elle a connu la tour par YouTube, n'est-ce pas? Par YouTube. Elle est passée dans les eaux du baptême et elle suit les cours. Et aujourd'hui, elle est membre de la tour de prière Semeur, membre de l'église. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'appelle ici Jean-Louis Guiloël, notre MacGyver. Notre MacGyver. Madeleine, il faut que tu me trouves le... ce que j'ai laissé là-bas, s'il te plaît. Cours vite. Le... ah oui. Oui, c'est où? Alors Jean-Louis, c'est notre MacGyver. C'est un homme exceptionnel. Alléluia. On acclame pour lui. S'il vous plaît, aidez-moi à faire le choix. À la tour de prière Semeur, nous avons des stars. Dis avec moi star. Pas star selon le monde. Serviteur travaillant activement pour le royaume. Star. Alors Jean-Louis travaille activement. Bien aimé, c'est un homme qui nous étonne. Il est là au protocole, il est là quand on a besoin, il est là à l'église. C'est pour ça qu'on l'appelle MacGyver. Donc à la maison de prière, on ne s'inquiète pas, MacGyver est là. Alléluia. Et nous avons voulu l'honorer parce qu'il a beaucoup travaillé. Ça fait 6 mois que l'église existe et il est à fond, il est toujours là. Et de tels hommes devront les honorer. Alléluia. Alors, il y a quelque chose pour toi, Jean-Louis. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aimerais te dire que à chaque fois que tu seras dans les difficultés, prends ceci. Écoute-moi bien, prends ça. Mets tout sous ton oreiller et tu me diras la suite. Merci, voilà, t'es cours. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame pour MacGyver. Et j'appelle. Il est béni parce qu'il est passé dans les eaux du baptême avec sa femme. Alléluia. J'appelle ici Félix Guiloël. On acclame pour elle. Waouh. Elle a vécu un baptême du Saint-Esprit extraordinaire. Une femme de qualité, une femme de distinction qui travaille activement pour le royaume. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà ton certificat et voilà les cours. J'espère que tu vas bien réviser. Que le Seigneur te bénisse. Parce que la suite va continuer. Hein. J'appelle Émilie Koutou Ousmane. Émilie, on acclame pour le Seigneur. Émilie. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse et le Saint-Esprit l'utilise. Alléluia. Elle vit une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. On ne sait même plus comment l'arrêter. Tellement. Que le Seigneur te bénisse. Bon, j'ai Dominique qui n'est pas là. Dominique, on va lui donner après. Louison, Jeanne, nous t'aimons, tu es en ligne. C'est notre soeur. Elle aussi, elle a son cadeau. Elle est exceptionnelle. Mais elle est partie en Guyane. Alléluia. Elle va revenir la semaine prochaine. J'appelle Morénique Annick. Morénique, on appelle pour le Seigneur une femme exceptionnelle. Alléluia. Elle est exceptionnelle. Elle a beaucoup de diligence, beaucoup d'obéissance. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Et que cette année soit vraiment l'accélération divine pour toi dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. J'appelle quelqu'un qui est à côté de moi. Anissé Nembani, que Dieu te bénisse. Sois béni. Papa, donne-moi encore. Lui aussi, il est passé dans les eaux du baptême. Et j'appelle ici Trinité, ma fille Trinité qui vient de Lyon. Elle suit les cours sur Internet, donc elle a la voix. Elle suit les cours. Elle a suivi la formation 101. Ah, la surprise. Elle pensait qu'elle n'allait pas voir. Que Dieu te bénisse. Ma fille Trinité, elle a un cœur énorme. Alléluia. Elle est toujours au petit soin pour nous. Elle est loin. Mais maman, est-ce qu'il manque quelque chose? Elle est toujours là. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pour toi. Sois bénie.
Et nous avons aussi d'autres personnes qui suivent les cours, mais qui sont à l'extérieur, notamment dans les provinces et aussi à l'étranger. Ceux-là, on va leur envoyer leur fascicule. Alléluia! Que le Seigneur soit béni. Et je vois plus une personne ici. Jessica, viens me voir. Jessica, oui. Brazzavilloise de Bakongo. Acclamons pour elle. Star. Servons, travaillons activement pour le royaume. Alors que je faisais des lives sur Facebook, à chaque fois, ils venaient commenter. Brazzavilloise de Bakongo. Je me disais, qu'est-ce? Brazzavilloise de Bakongo. Et quand on a commencé l'église, elle a dit, maman, je viendrai. Et depuis qu'elle a mis les pieds, et jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Et ce qui touche notre cœur, c'est que quand on fait les prières sur YouTube, on a la possibilité de donner les offrandes. Beaucoup de personnes donnent les offrandes de partout. Mais elle a une particularité. Chaque prière, elle a toujours donné une offrande. Et ça, on s'est dit avec le pasteur, elle a un cœur pour Dieu. Une passion énorme pour Dieu. Chaque prière qu'on fait, que ce soit le matin, le soir, elle a toujours une offrande à donner. Nous avons eu 20 jours de jeûne et prière avec 4 sessions de prière par jour. Dans les 4 sessions, elle donnait. À chaque fois, on voyait Jessica. Jessica, elle donne. Alors, j'aimerais t'honorer aujourd'hui. Comme tu honores Dieu, nous aussi, nous voulons t'honorer. Alléluia. Sur son Facebook, c'était Brazzavilloise de Bakongo. Aujourd'hui, c'est Jessica, ma fille. Et elle travaille énormément pour la tour. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Que le Seigneur te bénisse. Donnez-le. Va prendre la main de madame. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Star. Sois béni et continue comme ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais appeler ici, pour terminer, je vais appeler une personne. Madeleine. Si tu peux venir. On acclame pour Madeleine. Waouh! 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 Tout ce que vous voyez ici, Madeleine, c'est une fille que Dieu nous a donnée. Elle est à fond, à fond. Elle aime le Seigneur. Quand on dit on part, quel que soit le montant, elle est là. 3000, 2000, 4000, 5000, elle dit maman, je donne. Alléluia! Elle aime tellement le Seigneur. Elle dit par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Tout, je me donne au Seigneur. Tout ce que vous voyez ici, c'est Madeleine. L'organisation, Madeleine. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter Madeleine. Parce que Madeleine a été choisie comme la responsable de la chambre haute. Nous avons ce qu'on appelle la chambre haute. Un noyau qui prie, qui organise les organisations, les événements de la TPS. Et Madeleine est la responsable. Officiellement, je la présente comme la responsable de la chambre haute. Elle a un cœur pour le Seigneur, un cœur de passion, elle est toujours là. Nous, on n'a pas de voiture, elle vient toujours nous chercher, elle vient nous chercher, elle vient nous ramener, elle vient nous chercher, elle nous ramène. Elle est toujours là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Tout ce que tu fais, à chaque fois que tu fais, tu dis, prophétesse, je vais faire. Même quand je pense à quelque chose, je lui dis seulement, Madeleine, j'aurais aimé acheter telle chose. Elle m'appelle, prophétesse, c'est ça que tu voulais? J'achète. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et elle est la responsable, après moi, des événements à la TPS. Tout ce qui va se passer pour les prochaines sessions, les conférences, c'est elle qui va organiser cela. Alléluia. Elle a son groupe. Et comme j'avais dit, elle va choisir deux personnes qui vont travailler avec elle et vous aussi les autres de la chambre haute. Que le Seigneur te bénisse. Je vais lui laisser la parole. Bonsoir famille TPS. Merci d'être venus si nombreux. Franchement, je suis fière, je suis émue, je suis contente. Parce que aimer le Seigneur, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, qui s'attrape, qui s'arrache. Parce que le Seigneur, il nous parle tous les jours. Moi, j'ai eu des épreuves vraiment, vraiment difficiles dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre le Seigneur, mais d'une manière, comme dirais-je, avec une accélération divine. Amen. J'accélère dans tout. Je dis à Dieu, je veux tout. Je veux la TPS, je veux la maison de prière. Je veux la prophétesse et le pasteur, parce que je veux aider Dieu. Je veux être dans son royaume. Je veux le servir toute ma vie. Amen. Il est mon père. Il est mon mari. Il est mon amour. Il est tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'il me comble. Il me comble dans tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de demander. Je vois.
Des fois, je vais sur mon compte, je vois de l'argent qui arrive. Je dis, Seigneur, merci. J'ai décidé d'arrêter de travailler pendant un bon bout de temps. Pour faire quoi? Pour servir la TPS, la maison de prière. Je donne ma vie au Seigneur, je le donne à fond. Je le donne par moitié. Mon salaire, je le ferai moi-même, de moi-même, parce que lui me donne mon salaire pour la maison de prière. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire que je me donne à Dieu entièrement. Je vais le servir. Je vais le honorer. Je veux être un exemple pour tout le monde. Pour toute la famille TPS, je veux être un exemple. Parce que Dieu m'aime et je l'aime. Et il nous aime. Parce qu'il y a d'autres cœurs à prendre ici. Je le sens. Quand je dis à maman, maman, il y a telle chose. J'ai une vision, j'ai eu telle chose. C'est ça. Je sais que la maison de prière, ce sera quelque chose de bon pour moi. Parce qu'il y aura plein de bénédictions. Il y aura plein de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai ma copine Corinne, elle est venue aujourd'hui. Elle m'a dit, je ne sais pas si je vais venir. Elle a un très bon témoignage. Quand elle a mis ses pieds ici, sa fille qu'elle ne voyait pas depuis des années, elle lui dit, maman, pardon maman. Quand elle m'a montré ça, j'avais les larmes aux yeux. Que Dieu te bénisse, Corinne, parce que tu es venue. Et je veux dire à mes parents que je serai une fille obéissante envers eux et envers le Seigneur. Je vais les suivre dans la maison de prière. Je vais les suivre dans la tour de prière aussi. Je serai toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Ils ont besoin d'argent, je suis là. La voiture, ils ont décidé. Il y a une copine, il y a une soeur qui a décidé pour la voiture. J'ai dit oui, je donne. Je donne mon cœur et je donne l'argent. Donc on a pu rassembler quelques sous pour vous maintenant. Pour débuter pour la voiture, les soeurs et frères, ils ont cotisé avec tout ce qu'ils pouvaient cotiser. Ils ont donné pour un début pour la voiture. Donc, on vous offre la voiture. Le petit cadeau, en plus, on voulait l'offrir pour l'anniversaire, c'était ça. Donc, la voiture, sachez que vous l'avez. Et pour les enfants aussi. Je vous dis merci, famille TPS d'être venue aussi nombreux. On vous aime.